Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis avec mon compère Jayin pour une aventure sur The Ascent. Salut à toi Jayin, comment vas-tu? Eh ben ça va, hein, de retour, j'étais blessé, tu sais, T'étais je suis un peu blessé? le, ma Tu PTC. t'es fait une double fracture du péroné centré? Ouais, Exactement, je voilà, comprends, je me je suis comprends. fait, voilà, exactement, donc blessé, arrêt, tu vois, Ouais, arrêt, mais arrêt de quoi arrêt du coup? gaming, Ah, arrêt arrêt de gaming, gaming, d'accord. arrêt gaming duo. Ah, donc en fait là t'es en train d'expliquer à mes millions de viewers que le fait que les vidéos avec toi soient autant espacées parce que tu t'es blessé, c'est ça? Oui, c'est ça, D'accord, oui. ok. Exactement. Donc Je suis blessé, tu assumes et pas, tu assumes pas juste le fait de dire que tu prends pas le temps de faire des vidéos pour nos viewers en gros, c'est ça? mec, les mollets sont enflés. C'est ce que j'allais Il a les mollets enflés, du coup il ne dire. peut pas tenir une manette. Je peux pas tenir le mec. Pourquoi il meurt C'est pas tout. lui? Bon, les amis, du coup, on est reparti sur du The Ascent. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a quelques trucs qui ont changé. Du style, on a fait genre 2-3 missions secondaires. On a fait 2-3 missions secondaires. On a amélioré un peu notre équipement aussi parce qu'on était un petit peu en retard. Même si on n'a pas, en vrai, on n'a pas amélioré grand-chose. En vrai, on n'a Non, pas. mec, ça a changé. Ça n'a pas changé grand-chose. On n'a pas vraiment trop compris. En fait, on est allé dans les armureries, on a acheté des nouveaux trucs et tout, mais. C'est pas exceptionnel honnêtement ce qu'il y a dans les armureries. Wow, ça c'était classe. Non. Qualité, C'est ouais. pas exceptionnel les améliorations. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu. On a pris ce qu'on a pris. On a acheté ce qu'on a acheté. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Que vous le sachiez. Mais Du au coup, moins, on est fort contre le niveau 4. voilà, on est fort sur les niveaux 4. C'est super. Alors que nous sommes niveau je sais pas combien. 9 ou 10. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on peut voir ça d'ailleurs? Niveau 9, nous sommes actuellement niveau 9. Je suis Oh, niveau c'est pas 9. vrai. Voilà, tu dois l'être. Attends, mais pourquoi une. Ah, parce qu'il y a un truc à récupérer. Heals pack? Non? Allez à Non, Steam c'est Town. lui. Non, mais là, c'est par là, je crois, non? J'ai aucune idée. Attends, mais pourquoi le. Ça commence bien. Du coup, on s'est dit on allait faire d'autres quêtes secondaires histoire de se leveler un petit peu. Mais Ouais. pourquoi? Mais toi, ton objectif, il dit d'aller là aussi, on est d'accord? Il dit d'aller dans la caisse là. Comment on fait pour mettre cet objectif? Ah oui, C'est d'accord, D-pad complètement dans O. la caisse. Complètement dans la caisse, ouais. Et après, Allez on à peut Steam regarder aussi. Town. Et là, c'est fermé là. Ouais, mais c'est complètement ça cette quête, hein. Il y a encore une quête buggée. Donc à chaque fois qu'on va faire une quête secondaire, ça sera buggé, c'est ça? Oh Ah tiens, il a putain. changé l'objectif là. Ah! Ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu buggé hein, les chemins, on va pas se mentir. Un peu deux, ouais. Ok, bon, tranquille. Le plus important, c'est que. Allons. Accès refusé? Que ça remarche. Non. Ce mec, y a que moi qui accède. On va faire le truc là, Y? Non, ça marche même pas. What? C'est pas ce gros sac là? Pourquoi on peut pas aller à Steam Town? Ah, bravo, t'as tué peut-être le seul Je sais qui pas. pouvait nous ouvrir. Et eh ben peut-être que Comment on ça fait sera ça? suite à une quête. Ok, c'est honnêtement, on va pas se mentir, on avait déjà eu ces problèmes dans les premières vidéos, c'est très chelou hein. Ce jeu, tu veux faire des quêtes secondaires mais tu peux pas parce que tu as des accès bloqués, mais c'est des quêtes secondaires qui sont moins du niveau que ta quête principale, du coup c'est pas logique. Merde, a déménagé à Steam Bah Town maintenant, je devrais aller là-bas pour lui rendre visite quand je pourrais. Et là, Steam Town, c'est où sur la map? quand t'as vu quand je pourrais. Ah ouais, donc ça veut dire quand toi t'as envie en fait. Quand le joueur a envie d'y aller. Je sais pas. Mais en fait, Quand Steam Town la n'apparaît possibilité nous même l'offre. pas sur la map. Peut-être parce qu'on l'a pas découverte, parce qu'on peut pas y aller en fait, tout simplement. Du coup, c'est très bizarre. Et c'est un petit peu. Et honnêtement, c'est même triste en fait. C'est même triste d'en arriver à. Ah, ça fait. C'est la troisième vidéo là qu'on fait. Là, ça va être la deuxième session parce que les deux premières vidéos c'était une seule session. Et à chaque fois, on se retrouve bloqué pour des quêtes secondaires ou même des quêtes principales où les trucs s'affichent plus. Et c'est vraiment Comment dommage. faire? Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour en plus de The Ascent de plusieurs dizaines de gigas. Et il y a encore des trucs comme ça qui persistent. Et honnêtement, ça. Ça dégoûte un peu. Eh ben écoute, on va retourner sur la quête principale, hein, vu qu'apparemment on a le droit de faire que ça. Ouais. Est-ce qu'on peut se TP à un endroit? Apparemment non. Retourner vers 438 Hung. C'est où ça? 438 Hung? Apparemment c'est juste à côté. Ah non mais attends. What?
Ah mais c'est complètement buggé par contre hein. Mais c'est une honte. Une honte bordel. Mais je crois qu'on Le devrait pas trop lancer ce truc-là. suivi de quête est horrible. Alors ce qu'on va faire mec, c'est qu'on va se TP ailleurs en fait pour voir si ça refresh pas un peu. Je vais nous mettre à la Dédale, là. Je crois que c'est la ville du début. Ouais. C'est très triste. Ouais, ça va loin, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Par contre, là, en fait, j'ai peur qu'il nous fasse retourner à là où on était il y a 2 secondes et que ça ne fonctionnait pas, en fait. On va tenter, hein, mais bon. Imagine. Bon bah, est-ce qu'on a pire que... Sinon, Est-ce qu'on a pire que Cyberpunk? mais c'est un fait en fait. Tous les jeux sur le thème du cyberpunk ils sont pas terminés en fait. C'est trop compliqué pour eux. Bah mec, on pourra plus passer hein. Quoi? Y a tout le monde qui nous agresse, ça permet hein, Non, je si je pense. pense que. Non, je pense qu'on peut. On verra. Au pire, on tuera tout le monde. Maintenant, on a le niveau pour les tuer. C'est là? Archéologie, grand rue. Archéologie. Il y a un chargement, c'est pour refresh. Niveau supérieur. Ah, on est passé niveau 10. Yes, on va augmenter sur les stats. Yep. On peut pas. Non, non, mais attends, les stats. Bah, moi, c'est tout bugué, hein. Compétences. Ouais, on en a Oula, 3. oula, je suis marchand de vide. Quoi? Oula. Ah, c'est bon, ça a paru. Ça a mis énormément de temps. Et je ne peux pas aller dans mon inventaire. C'est bugué. Ok, c'est Donc je super. peux pas aller dans l'inventaire moi. Bon bah faut que ça me sauve. Impossible d'aller dans l'inventaire. Rassurant. Ah là j'ai accès. Bon. Qu'est-ce qu'on va remonter? Ça. Écoute, on va voir où ça nous mène cet objectif. Si ça fonctionne pas, on redémarre à la partie, hein. Et t'as... Pas le choix. Alors. Par contre, j'ai le truc niveau 10, niveau supérieur qui reste sur mon écran et qui s'en va pas. Ah C'est oulala. le jeu est sorti il y a un mois et demi, hein. C'est dommage hein, parce que honnêtement, on a vraiment envie d'y jouer hein, mais le jeu nous aide pas là à vouloir à nous donner envie d'y jouer hein. J'ai l'impression qu'on va au même endroit que tout à l'heure déjà. T'as dû jusqu'à là-bas. Il y a un T'as dû ascenseur à un jusqu'à moment. là-bas. C'est un vrai cinglé. It's a crazy bastard. Ah oui, mais c'est là où il y avait les élites et tout. Go passer quick, mec. Ah! Oui, parce que tout à l'heure, là, on a démarré un peu la partie. On s'est un petit peu chauffé. On a fait 2-3 trucs Et c'est et genre... on a battu 2 élites. Un level 8, un level 11. Ils étaient très forts et très tanky. C'était pas du tout rigolo. Ah non, pas du tout. Pour l'instant, il y a plus de choses pas très rigolo que... Oh! Oh, waouh! Tu le vois mettre le perfo là? Ouais. C'est quoi cette arme de fou? Attends, faut que j'aille voir ça dans mon inventaire. Hein. Attends. Oh merde, attends. Pas tout Oh de non, suite. oh, il est moins fort qu'avant, mec, hein. Non, non, mais là c'est pas l'élite là. C'est un normal là. Ah, ok. Mais je pense que Je connais l'élite, pas. celui qu'on a la prime et tout, maintenant on n'a plus besoin de le battre, je pense qu'il a disparu. Ah. Oh, j'ai un Secondaire perfo. prévu, du coup. Donc, Oh! je l'ai en même temps. Non, on Oh teste. waouh! Quoi cette arme de fou furieux par contre? En arme principale, je mets Ah, ça. c'est un sniper genre! Enfin, Ah, il est c'est. fort ou pas? Il fait du coup par coup. Je sais pas. Tester sur des ennemis, là il y en a plus pour l'instant. One shot des civils pour l'instant. Merde. Ah ouais, c'est fort. Ah ouais, les Bon. dégâts du perfo!
C'est insane. Hein. Ouais, j'ai plus de vie là, toi. Ah, j'avoue que tu manques un peu de vie. Donc, je te laisse le heal dès que j'envoie. Au kite avec. Ah bah, un nouvel élite, niveau 9. Et je suis caché mort en plus. T'inquiète, t'inquiète. Il est en train de brûler là. Il est niveau 9 en plus, ça va. Aïe. Ah, le perfo, ça fait le taf. Hein. Vraiment. Il est pas très agressif. Mais il a même disparu. Ok, il est là. Ah mais oh putain, il s'est full heal. Ouais, ok. Bon, ça va, t'as vu les dégâts qu'on lui fait? C'est insane, hein. Deux perfos, gros. Ouais. après le mec est niveau 9. Hein. Ouais, mais mec, tout seul, je lui mettais pas autant. Hein. Merde, pardon. Oh, c'est fort le perfo. Faut juste savoir viser, quoi. C'est un peu le problème. Chose que je sais pas trop faire. J'ai fait l'ascenseur, mais ça ne pas. Il arrive là. Par contre, j'ai pas de life là. Ça vend pas de la vie ça là? Toi, t'es ah si, c'est bon. Oh. J'ai utilisé tout mon argent. Et on se casse. Moi, je pas... Ma vie, moi, elle n'apparaît pas, donc au moins c'est clair. Ah bon? En bas à droite? Ouais. Les barres. What? Ouais, c'est oh, okay. ça marchait tout à l'heure. Hein. T'as pas ton interface en gros. Non. Je vois pas mes armes que je mets, bref. C'est quand même pas mal bugué, hein. Ouais, bah moi j'ai toujours. J'ai toujours niveau supérieur 10 en plein milieu de mon écran. Non, bah, il faut pas avoir une télé OLED avec ça. Quand tu joues à ce jeu, hein. Non, mais je me dis qu'il y a potentiellement des gens qui ont acheté ce jeu, tu vois. Nous, il est sur le Game Pass, donc c'est ok, ouais, tu vois. Mais les gens qui l'ont acheté, genre sur Steam et tout, Bitkin quoi. Bon, ok, tout à l'heure, on n'était pas du tout allé par ici, donc ça, c'est plutôt. Ouais, c'est cool, ok. Ah ouais. Merde. Oh, attendez. Je pense qu'on allait à un endroit qui me bloquait un peu tout à l'heure. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, quand t'es sur certaines maps dans le jeu, ça te fait complètement bugger ton suivi. Donc voilà, je vois que t'as apporté la plaque d'identité, je m'attendais pas à ce que tu survives. Ah non, attends, j'avais une voix pour lui, elle est où ma voix? Celle-ci. Je m'attendais pas à ce que tu survives, c'est plutôt impressionnant. C'est Manor's Game Corporation qui détient tes permas, le transporteur où il a été marqué est censé décoller dans quelques cycles. Tu vas jeter un œil au Cosmodrome, puisque MG Corp est en infraction. Il ne bénéficie plus de notre protection. Voilà. Je sais même pas si c'est bien compréhensible quand je parle comme ça. Tiens, on comprend un peu que. Du coup, on n'a plus d'objectif. C'est vrai. Attends, je sors. Oui, parce que je suis. Il y a plus. Navigation. Ah. Qui a la sortie nord-ouest. Ouais, mais je sais pas où c'est moi. Indique-moi avec le truc, s'il te plaît. Allez à Cosmodrome, c'est bon. Pas envie de chercher, non, j'ai pas que ça à foutre. Ça me fume. On est en 2021. Ouais. C'est des lourds, bordel. Tu. Ok, on reprend ça. On n'a pas le droit de faire de roulade sur l'ascenseur. Ah ouais, trop dommage. C'est trop dommage. J'y suis, mais je reste debout. Ils ont barré à paru les mobs. Je suis vraiment trop déçu. Eh bien là. Déjà, je passe plus de temps à faire des roulades que à tirer dans le jeu. C'est vrai qu'on passe plus de temps à arpenter cette carte, j'ai l'impression.
Mais oui, genre, j'aimerais bien voir, genre faire aussi faire une sorte de donjon. Le... J'aimerais bien faire des raids à 20 joueurs. J'aimerais bien faire des raids Shadow Legend. à l'ouest. En tout cas, le perfou, le meilleur du jeu. Ouais, vraiment. Sans aucun doute, la meilleure arme du jeu. Il y a un truc qui est bien dans les bruits, c'est qu'il, quand il meurt. Parce que, alors, les ennemis ils parlent pas, on a jamais blabla, mais quand ils. Waouh! Oh, les bouts de viande, mec, si t'as faim pour ce soir, il y a de la viande, hein. Oh putain! Oh mon dieu! Les gros à éclater, c'est les meilleurs en fait. Ouais, dans le jeu, t'as vraiment, on peut avoir plus pitié. Hein. Mais t'as vu, depuis qu'on a le perfo, on les explose en fait, les civils. Oui. Genre, ils ont les membres qui partent et tout. C'est excellent. C'est vraiment meilleure arme. Hein. Meilleur design d'arme 2021. Sans aucun doute, la meilleure arme. Par contre, moi, ouais, le truc qui me manque cruellement, je trouve, au jeu, alors peut-être qu'il y en aura plus tard, mais pour l'instant, ça a pas l'air. C'est honnêtement, c'est des armes corps à corps, gros. Ouais, des armes genre des katanas et tout, gros. Ah ouais. En vrai, ça serait des insane. Gros marteau, ouais. Marteau de Thor, la Thor qui arrive après. Non, tu te trompes de jeu là, par contre. Je me trompe de jeu. Tu te trompes d'univers, de licence, tu te trompes de tout là, mec. Après, il y a Umbrella Corporation qui arrive. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a Batman qui arrive. Il vit par Sonic. Sonic. Son fidèle acolyte. Il paraît même qu'il y a le DLC Frodon Sakai. Il y a que lui, t'es le jeu qui arrive. Et bien évidemment, tu dois le protéger. Et à la fin. Vu qu'il sait rien faire de lui-même. Allez, ça dégage. Ça dégage la population. Attends, il y avait un mec, une prime là. Y'a Pavo, Pavo la prime, Pavo, niveau 6. Hein. Ah. Y'a plus Pablo, je crois. Parce que tu vois, les ennemis, eux, ils ont des armes corps à corps. Certains ennemis, hein, ils ont des armes corps à corps. Oui. Peut-être plus tard, y'en aura. Hein. Quoi, pas nous. Mais je pense pas à rien. Je pense que le jeu est fini. Oh, lui, il vise trop bien, lui, là-bas. Là. Dépece-le, lui, voilà. De toute façon, moi, je pense à. Hein. On tu penses hein. Tout ce qui était possible dans le jeu, vraiment. De quoi tu penses quoi? Je pense qu'on a tout découvert dans le jeu, il n'y aura pas de nouveauté. Ah mec, le perfo, ça a été une découverte là. Hein. C'est vrai, plus grosse découverte du jeu actuellement. Plus grosse découverte et meilleur élément du jeu actuellement. C'est une fois les gens. Attends mais voir leurs membres se déchirer. Ouais, c'est vraiment plaisant. C'est plaisant. On va pas se mentir. Hein. Oh, il y a des katanas, tiens, mec. Quoi? Il y a un katana. Ouais. Tu te souviens le boss là, de notre dernière session là, il y avait que des mecs avec des katanas. Il était grave fort en plus. Ouais, il était trop fort par contre, le mec. Je pense que maintenant on le défonce parfois. Hein. Je pense, ouais. Je pense qu'on défonce n'importe qui en fait. Genre, tu vois là, le civil là, boum, hop là. Ah pas civil là. Les pauvres, ils sont one shot. En fait, on est rendu des bâtards parce qu'on tue tout le monde. Ouais, bah ouais. On était des gens ils attendent le train pour partir. Gros massacre. Je suis pas. De toute façon, ouais, je suis pas sûr qu'on soit des gens vraiment réglo, hein, de toute façon. Hein. Non, par contre, je prends cher, je sais pas si c'est qui me tient dessus. Ouais, mais. On peut se mettre à couvert dans le jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se mettre à couvert, j'avais oublié ça aussi. Les mecs mais visent super bien en fait. Les mecs visent vraiment bien. Les bugs. Je vais bientôt crever. Ok, ça reset. Viens vers moi, ils sont en train de reset. Ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut reset les mobs. On est à couvert en fait. Il se cache. Il est un peu chiant lui hein. Ouais, il se cache. Mais c'est n'importe quoi parce que en fait tu peux pas l'aider. Quand il se cache, tu peux pas les retirer dessus. Ah, y'a une autre arme là, le Dominateur HMG42. Est-ce que c'est encore une nouvelle arme? Faudrait qu'on voit aussi où est-ce qu'on donne les primes là, parce que... Oui, j'avoue que nous, on aime bien les récolter, mais on sait pas on en fait quoi.
T'es en train de faire quoi là? Oh mec. Ouais. Je viens de ramasser une nouvelle arme gros. Ça veut dire que j'ai aussi. C'est le HMG. HMG 42. Oh ouais. Comme quoi tu vois, il y a encore des surprises niveau armes, ça c'est pas mal. Donc moi je me dis à tout moment il y a des armes corps à corps pour me satisfaire le cul. Bah, elle a l'air d'être incroyable. Ouais, elle a l'air d'être vraiment pas mal. Ce qui est bien c'est que même si on n'est pas à côté, tu ramasses quelque chose, mais je ramasse aussi. Ouais, ça c'est vraiment bien ouais, pour le coup. T'as envie de faire des jaloux en fait. Exactement mec. Un loot pour les gouverner tous, c'est trop fort mec. Ça a trop de dégâts, ça a tellement de dégâts. Tu restes appuyé dessus, c'est incroyable. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Non mais... Oh mec, avec ses armes, on finit le jeu. Hein. Mec, oh la petite, phase en... la petite phase en 2D là. Trop stylé en vrai. C'est vraiment cool. Alors, en fait, ce qui est juste, c'est qu'il y a pas limité, du coup tu spam. Ouais, ça c'est bien. Elle est incroyable cette arme. Hein. Le perso peut-être tue plus rapidement en deux coups, mais elle est plus drôle à jouer. Ouais, vraiment. Regarde, je me mets au corps à corps. C'est trop drôle. Pour éviter la dispersion des balles. Mec, il m'a tué avec le katana. Il m'a tué avec le katana en trois coups. Ah ouais. Ouais, bah faut que ça soit fort une arme corps à corps. Hein. Tu crois pas tuer lui, hein. Tant que c'est pas. Je suis caché. Tu parles. Comment on se met à couvert déjà? B. Ah oui, bien joué. Je suis chiant, tu les sigils, c'est terrible. Hein. Attention, il y a quelqu'un qui a un lance-missile. C'est quoi ça? Quoi? Pourquoi on n'arrive pas à le tuer lui? Ah oui, il faut tirer à terre. Ah oui, c'est des enfants. Il y en a derrière, fais gaffe. Ouais, ils m'ont mis cher. Hein. Il y a des mecs derrière qui ont pop. C'est quoi ça? Une zone de heal? Non? Oh, pas du tout. Non, bon. Non, je sais pas ce que c'est. Oula. Ah, mais il y a un mec là! Il est là! Ok. Attends. C'est quoi pour le heal? C'est snack? Ouais, c'est ça. Ouais, 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 what the fuck, mec? Allez! Le mec s'en bat les couilles. Il dépense tout son fric. Et en plus, t'es même pas full heal. T'as acheté plus de grenades que de heal au final. Oh putain, il me fume le con. Là y'a du heal, là y'a du heal. Y'a du heal au milieu. Il est en commun, il y a du Y'a du heal à gauche, mec. Prends-le. Oui. No, allez. Allez. Ça fait plaisir. C'est bien, ça sert aussi à faire exploser les gens à la fin. Lui, il a l'air d'être vénère. Du coup, j'ai trouvé un autre dominateur, mais du coup, c'est le même, on est d'accord, hein, les armes ça reste les mêmes. On avait fait une erreur, on avait cru que c'était les niveaux d'armes, mais en fait, c'était juste le nombre oui, d'armes qu'on a en fait, de la même arme. On avait une dizaine. Ouais, on pensait que c'était le niveau la dernière fois. Mais attends, pourquoi il y a un truc rose là-bas sur ma carte? C'est pour signifier quoi? Je sais pas pourquoi il y a un truc rose là-bas. Je sais pas si tu l'as toi aussi. Non, moi il y a que toi qui est rose. Genre sur ta carte en haut à droite, t'as pas une zone rose genre? Moi j'ai une zone rose, non. C'est bizarre. Non, je pense que c'est bugué. Ah ouais? Ce jeu est bugué, oh. Ah bon? Bugué ce jeu. Vraiment, c'est rare ce que tu me dis là. Hein. Je pense que ça m'étonne un peu. C'est vraiment rare. Hein. Je sais pas où je suis, mais... Ah là. Ah merde, c'est vrai que c'est ça pour les grenades. Ok. Et là j'en ai plus là. Aïe. Mais mec, il me démonte. Oh waouh. Oh le nombre. Boom.
Ouais, fais gaffe parce qu'en fait, à chaque fois qu'on engage des combats, il y a toujours des mecs qui arrivent derrière, à gauche, à droite. Ouais, et ils me démontent. Et t'es où là? J'ai un bac ou des avis là. Oh, j'ai un nouveau pantalon. Nice, mec. Je pense que tu vas être vraiment beau dans ce nouveau pantalon. Oui. Alors, moi, est-ce que j'ai des nouveaux trucs vite fait? Armure. Nouvelle jambe, effectivement. Nouveau pantalon. Pas ouf, hein. Ça protège à 0 du feu, alors que là, je suis à 45 actuellement. Ouais, non, c'est pas ouf, hein. Niveau stats, il est pas incroyable. C'est un Adidas, je crois. Ah, cinématique. Bah, je sais pas. On a déjà eu une cinématique dans le jeu. Oh, c'est un boss, mec. On prend le perfo. Mais attends. Quoi? Parce que t'as avancé, c'est pour ça? Ouais, j'ai avancé, ouais. Ok. Parce que moi, c'est bizarre, j'appuie sur le prime, je pense que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Va falloir qu'on se cache là, mec. Hein. Ah putain, y a un mec qui a une prime là. Bah, c'est pour ça, c'est ça que j'ai activé. Y'a un mec primé. Ah, mais lui, ça a rien à voir, lui. Lui, ça a rien à voir. Mec, il sert tout le temps en perso. Ah, c'est bon. Je m'occupe des ZAD derrière. Mais je suis mort en fait là. Mec, il met des gueules, genre il vient encore à tort. Calme-toi, Jean-Charles. Lance des grenades si t'as. Ah ouais, mec, il est trop fort. Je lui mets des coups de perfo, vas-y, cours. T'inquiète, cours. Il met pas le temps. Cours. Je le suis derrière. Il me ralentit, du coup, il m'empêche de faire des roulades. Ça m'a l'air de m'entendre, ce mec. T'inquiète, je lui mets la sauce moi en attendant. Et boum! Bien joué, mec. Oh, mec, on a une nouvelle arme, Astro Broyeur. Mais t'es mort. Du coup, tu préfères l'arme que moi. Bien joué, mec. De quoi? Ah! Bien joué. J'ai dit, tu préfères l'arme que moi. Bah non, mais t'as bien joué. Bah oui, l'arme est meilleure que toi. Effectivement. Ah. Astro Broyeur. Oh, mec! Attends. Une nouvelle arme? Oh! C'est un lance-patate, gros! Par contre, j'ai une nouvelle arme. En illimité! Ils sont moches. Ah non! Attends, il y a une surchauffe quand même. Je l'ai pas moi. Oh, j'ai le seum par contre. Pour une fois, j'ai pas une arme que t'as. Oh, sérieux? Comment t'as fait ton arme? Astro Broyeur. Non. Quoi? C'est pas normal ça? Je pense que c'est parce que j'étais à terre. Oh non, vraiment? Ouais, je crois. C'est naze ça par contre. Enfin, je la teste en combat, hein. Je l'ai pas du tout. C'est de la merde, ça, par contre. Elle est pas par terre? Tu peux pas, genre, la ramasser vers le boss? Faire? Non, je vois rien. Je suis triste. C'est un peu triste, ouais, effectivement. Triste. Surtout que c'est un lance-patate, quoi, donc... C'est un lance-missile. Accès refusé. Mise en contact avec Nogued. Contact établi. Ah, mais j'ai eu des compétences. Ouais, on était passé niveau 10. Ouais, j'ai pas augmenté la dernière fois. On n'est pas passé niveau 11 hein, depuis. Non. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça va être ouvert là? Boum! On dirait que je suis pas allé de main morte, ce carburant est très volatile. Bref, le vaisseau est bloqué, fais-toi plaisir. Attends, j'ai augmenté mes trucs, t'es où? Ok, nice, on va pénétrer dans un transporteur. Trouver les scientifiques disparus à bord du transporteur. Boum! Je suis venu. Ah par contre ouais, ça met du temps à se mettre en brawl. Ouais, c'est fort. Parce qu'en fait, quand tu restes appuyé, en fait les missiles au bout d'un moment ils vont de plus en plus vite. Mais ça doit être fort, mais que sur des grosses cibles en vrai. Ah, imagine l'arme, je peux plus l'avoir parce qu'elle n'existe plus. Oh, je pense que t'en retrouveras. Après honnêtement, elle sert pas pour pour l'infanterie là comme ça. Elle est nulle pour l'infanterie. Ouvrez la porte, pardon.
pour la petite infanterie, elle est pas ouf. C'est les scientifiques, faut pas les tuer. Hein. Tu arrêtes. De toute façon, t'as pas le droit, voilà. Tu peux pas les tuer. Ici, Poon. Je crois que t'as retrouvé nos résidents disparus. Bien joué, j'espère que tu auras bien fait payer ces enflures de chez machin. De chez Malheur's Gelb. Onyx Void n'est pas blanc comme neige non plus, mais je tiens à finir vieux et gros. J'ai pensé rejoindre le sbire de chez MG pour une explication, mais il s'est enfermé sur le pont du transporteur en ignorant mes ping. Tu peux aller me le récupérer pour une fin de transmission. Il veut qu'on lui fasse des ping, mec. Des ping, bah ping le bordel. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'attends, mec? Attends, je lui fais un petit NS lookup. Ah. Un petit IP config slash all. Petit... je connais tout de toi maintenant. Il n'y a que les informaticiens chevronnés qui peuvent rigoler de cette blague. Ouais, chevronné, pas sûr. Hein. Informaticien de... de bas étage, hein, vraiment. Hein. You know who I am. Je vais peut-être... Parce que c'est vrai que... Oh wow. On a genre un écran de chargement et tout. Ouais, ouais grave, on fait un petit... On a fini le jeu en fait. Ça doit être... Je pense qu'il va nous peut-être nous TP. Il va peut-être nous TP à la ville. Comme ça on n'a pas besoin de tout refaire. Ce qui serait plutôt pas mal. Ah ouais c'est ça, il nous TP directement en ville. Pour la cinématique. Les passages sont de moins de qualité. If you'd have just accepted my call, we wouldn't have had to drag your ass all the way here. Go fuck yourself. Come now. What was Melhurst Geld planning to do with those indents? I don't have anything to say to you. Talk to my superiors. Oh, I'm sorry. You seem to have misunderstood your situation. You see, you're officially listed as deceased in a refueling accident at the docks. I can keep you here till you talk or flatline from exposure. Whatever you prefer. Leave him here. I'll update you later. Ok. Et bah super, nous voilà niveau 11, complete trading places. New friend. Incroyable. Niveau 11, du coup j'ai... Yes. Ah non, tu vas aller monter une deuxième fois. Bah ouais, bravo. Pas pour rien. Et on a eu une nouvelle arme, ouais, la fournaise. Ouais. 40 à 60 des dégâts de feu. Oh, elle a l'air insane gros. À chaque fois qu'on a une nouvelle arme, je dis ça. Ouais, mec, c'est le meilleur truc qui arrive. Mec, c'est la meilleure arme du jeu, gros. C'est la meilleure arme du jeu, je sais pas pourquoi. Je peux même pas tester. Qu'est-ce que je monte, moi? Eh bien, mon perso, plus j'avance, plus je change d'équipement, plus je suis moche. Yep. Tout ce que je dis. Tout ce que tu dis, mec. Et en ligne, les vitesses de recharge, ça c'est pas mal quand même. Boom. Alors, sur The Ascent, c'est le seul jeu où je suis obligé de toucher ma manette. Je dois appuyer sur une touche ou le joystick, genre faire une action toutes les 10 secondes. Si je touche pas ma manette pendant 10 secondes, et bah, le son bug et ça me... Ah ouais, les oreilles. Ah, ouais. Chelou. C'est le seul jeu qui fait ça. Moi, en parlant de son, je vais peut-être l'augmenter un peu parce que j'avais peut-être un peu trop baissé la dernière fois. Ah non, je l'ai même pas baissé, il est à 100. Attends, mais je suis à fond. De partout. Bizarre. Le son est pas très fort, sachant qu'il est... à fond de partout. Je vais l'augmenter directement de Windows. Bizarre. Ok, normalement j'ai les sons bien plus forts sur les jeux à 100% d'habitude. Ok, des bisous sur YouTube, on se retrouve au prochain épisode pour faire une autre mission principale. Du coup on va continuer là-dessus. Des bisous. Voilà.